Mesdames et messieurs, bonjour. Effectivement, le sens de notre présence aujourd'hui, Orange Cameroun, d'une part, la Fondation Orange Cameroun et l'Association des femmes d'Orange Cameroun, est symbolique et très important. D'abord, ce n'est pas une première, c'est la 7e année que nous accompagnons avec l'ADFORCE les rentrées scolaires des différentes régions en France. Alors c'est vrai que hier nous avons eu une très belle cérémonie parce que la Fondation Orange Cameroun a offert un chèque de 13 millions de francs CFA à l'Association des femmes d'Orange Cameroun pour justement, dans le cadre de cette action solidarité, éducation et accompagnement de la rentrée, l'ADFORCE, c'est une première aujourd'hui. Pour cette année, nous sommes là pour accompagner ces jeunes enfants dans le cadre de la rentrée scolaire. Alors vous l'avez vu, c'est une cérémonie solennelle, oui, mais décontractée aussi. Nous avons des enfants, nous avons des parents d'élèves, et nous le remettons dans le cadre de cette rentrée scolaire, en présence d'une représentante du ministère de la Femme et de la Promotion de la Famille, un kit scolaire. Alors ce kit scolaire, il est composé de quoi? Il est composé d'un sac à dos, il est composé de crayons, il est composé de cahiers et de livres. Voilà, c'est ça le sens que nous voulons donner. La Fondation, de façon générale, accompagne deux axes. Un axe santé et un axe éducation. Notre présence ici, c'est simple, avec l'ADFORCE, c'est d'accompagner l'éducation de nos jeunes. Alors, l'an dernier, nous avions donné déjà pas mal à l'ADFORCE, 11 millions. Cette année, c'est 13. Peut-être que l'an prochain, ce sera plus. 26. Ça sera à level 26, on verra. Si on peut, on les donnera. Mais je pense que moi, je suis extrêmement fier en tant que président de la Fondation, avec mon collègue M. Ngondi, qui est le secrétaire général, et en tant que directeur général d'Orange Cameroun, d'accompagner ce style de manifestation. Nous comptons accompagner de mémoire 3000 élèves dans les 10 régions de ce pays, de ce beau pays qu'est le Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Quelles sont vos attentes après ce geste? Quelles sont vos attentes? Vous savez, c'est des attentes au niveau de la Fondation, il n'y a pas véritablement d'attente. Nous, on est dans le domaine du cœur, on n'est pas dans le domaine du commerce. Le domaine du commerce, c'est autre chose, ce sont des actions marketing. Là, ce sont des actions de la Fondation et de l'ADFORCE. Donc, nous sommes présents et c'est quand même normal qu'aujourd'hui, la 5e entreprise, de ce pays, accompagne le pays sur un certain nombre d'axes du cœur de développement. Je vous ai parlé de la santé, on a pas mal d'axes de la santé. Je pense que l'accompagnement des jeunes qui rentrent en 6e, par exemple, c'est quelque chose d'important. Et si on peut le faire, faisons-le. Pour un pays émergent. Voilà. Merci. C'est pas plus compliqué.